Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Oh oui, mes cheveux sont en pétale. Bon, on part au petit-déj. Comme d'hab à l'extérieur, on va dans un endroit qui s'appelle, il me semble, la cantine. Et on va rejoindre Margot, You Make Fashion, je sais pas si vous connaissez, sans doute. Elle est sur YouTube et surtout sur Instagram. Enfin, moi je la suis beaucoup, beaucoup sur Instagram. C'est devenu ce que j'appelle les copinettes des réseaux sociaux. Voilà, c'est devenu quelqu'un avec qui je parle assez souvent et que j'aime beaucoup. Et qui connaît surtout très très bien cette région et surtout les bons endroits où manger. Voilà. Donc on va déjeuner avec elle. Et puis voilà, nous on est prêts. La caméra fait une drôle de lumière. Je ne sais pas. En même temps, bon, si, il fait quand même un peu plus bleu que les autres jours. Enfin, je disais ça hier et finalement on a eu du temps gris. Mais bon, il fait quand même très très bon, c'est ça le principal. Et puis voilà, j'adore la tenue que j'ai mise à Mila. Regardez comment elle est trop choupinette comme ça. Elle a les mêmes baskets que papa. Elle a les mêmes baskets que papa, oui. Figurez-vous que j'ai acheté ces baskets là à Mila en solde chez Spartoo. Je les ai vraiment pas payé cher, j'ai payé 25€. Et Alex a trouvé exactement les mêmes en solde dans un magasin ici. Et du coup il les a achetés, voilà, pour avoir les mêmes que Mila. Voilà, voilà. Il y a quand même Mila qui vient de nous demander. Qu'est-ce que tu m'as demandé là, mon amour? J'ai demandé si c'était pas une cantine. Oh, elle m'a demandé si c'était pas une cantine où on allait manger parce que ça s'appelle la cantine. Et je lui ai promis que non. Parce que pour Mila, une cantine, c'est un endroit. Je sais pas vous expliquer ce qu'elle s'imagine, mais c'est un endroit où c'est pas bon, etc. Donc voilà, elle s'inquiète un petit peu d'où est-ce qu'on va déjeuner aujourd'hui. Alors cette cantine. Regardez-moi ces assiettes de folie. Franchement, c'est moi qui ai pris le truc le plus soft. Ça, c'est très beau aussi. Hein. Bon, nous voilà sortis du petit-déj. J'ai pas mangé énormément parce qu'en fait, Owen, qui est toujours sage comme une image, aujourd'hui nous a fait un peu la misère. Il est en train de manger ma glace. C'est pas vrai ça. Je prends ma caméra, je lui dis tiens ma glace. Il en voulait pas, il est en train de manger ma glace, j'hallucine. C'est un complot. On s'est de nouveau arrêté manger une petite glace. Le petit déj c'était très bon, mis à part que j'ai pas mangé grand chose parce que je m'occupais plus d'essayer de calmer Owen d'une façon ou d'une autre, mais bon, c'était bon. J'ai quand même préféré le petit déj d'hier. Mm-hmm. Par contre, ces pancakes avaient l'air meilleurs ici, à la cantine. Différent. C'était différent, les fruits étaient. Ils étaient bien moelleux. Et les fruits étaient cuits en même temps que les pancakes. C'est pas cool, des bananes directement dans la poêle. Bah, je signale que moi je fais carrément des pancakes aux bananes, juste avec de la banane écrasée. Je sais, merci. Là, c'est tu mets bon. Les rondelles pendant que tu cuis. Ouais. C'est bonne idée. Avec du chocolat. Bon, quelques minutes plus tard, ce t-shirt était beau. Il était beau. Voilà. Voilà, voilà. C'est pas grave. C'est pour tous ceux qui flippent de se faire tatouer. Venez, vous aurez même pas de calque, c'est tout à la main. C'est encore mieux. Même pas mal. C'était pas mal. Bon, je vous explique pas le campement. Je suis toute seule parce qu'Alex est partie
à la, j'allais dire à la plongée, absolument pas. Alex est parti à son tatouage toute l'après-midi, donc il avait rendez-vous à 13h. J'espère que vous m'entendez avec le vent, je suis désolée, il y a un tout petit vent. Je pense que vous n'allez pas bien m'entendre. Il est parti à 13h et du coup il rentre à 19h, 19h30. Mais il y en a une qui voulait absolument réitérer la plage, le sable avec ses jouets, etc. Du coup on est venu à la plage. Sauf que pour descendre ici, il y a un certain nombre d'escaliers. Heureusement, il y a quelqu'un, enfin j'ai arrêté un mec, voilà. Et je lui ai demandé de m'aider, il a gentiment descendu à poussette avec moi. Et voilà, donc là on y est. Aujourd'hui c'est voilà, grand ciel bleu. Il fait très 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 chaud. Donc j'ai acheté de la crème solaire hier. J'ai acheté un parasol à l'instant. Heureusement, il y avait une boutique et restait un parasol qui nous attendait. Bon. Il est vert fluo et la couleur est dégueulasse, on est d'accord. Et bah Owen est là. Bon, j'ai eu la grande idée d'acheter ces trucs chez H&M, les amis. C'est très joli, hein. Sur du sec, ça peut aider, sur des transats aussi. Mais sur de l'eau humide, c'est même pas la peine, ça ne sert strictement à rien. Autant se rouler dans le sable. Non mais voilà, ça va, on est bien là, il est protégé. Et la petite est en train d'aller chercher de l'eau dans la petite mare avec de l'eau qui est juste à côté. Donc elle va bien s'amuser toute l'après-midi, c'est le principal. Ça va? Chouchou il est là. Il est content, il doit être trempé. Mais bon en même temps il fait tellement chaud que j'aime autant qu'il soit mouillé. Jusque là tout va bien, c'est pour remonter, en fait je vous explique. Concrètement il faut tout remonter en fait, l'hôtel est au-dessus, tout derrière et il y a tout ça à remonter à chaque fois. C'est vrai que tout seul c'est pas évident, mais bon, ça va le faire. Qu'est-ce que je ne vous ferai pas pour ma crevette? Je parle de Mila, parce qu'on est venu pour Mila. Concrètement Owen, qu'il soit ici ou dans la chambre d'hôtel, je pense que c'est la même pour lui. Quoique, il a l'air de kiffer quand même, hein? Hein? Hein qu'on aime bien? Regardez-moi ce cirque. Alors je viens d'IKEA. J'ai vu, c'est la marque. C'est la marque. Je vais vous montrer après, je vais vous expliquer. Alors je vous explique le pourquoi du comment en fait. Et aussi il a des... il faut avoir des balles dedans mais on n'a pas. Je les vois mal t'amener des balles. J'ai quelqu'un qui m'a laissé un petit mot. Je vous ai attendu 2 heures sur le banc en face de l'hôtel, mais l'océan m'appelle, déçu de ne pas vous avoir aperçu, je suis vraiment désolée. On était à la plage aussi, donc si ça tombe, tu nous as raté de peu à la plage. Bien que j'ai croisé des gens à la plage, tu fais peut-être partie de ces gens, je sais pas. Je suis vraiment désolée, voilà. Du coup, il y avait ça qui m'attendait dans ma chambre. Et en fait, de là, on a reçu des petits cadeaux par l'hôtel. C'est des petites chaussons d'hôtel pour Mila, plus des petits gels douche. Le petit prince sont trop mignons. Et je pense que du coup bah, c'est l'hôtel qui nous a mis ça dans la chambre pour Mila, pour qu'elle puisse jouer. Elle aime beaucoup en tout cas, voilà. Bon, je vous reprends une douche plus tard pour tout le monde. Et je peux vous dire qu'en dehors qu'elle soit très énervée, ça a fait du bien à tout le monde. Mis à part que je ne sais pas ce que j'ai chopé, les amis. Des boutons sur le visage comme j'en ai pas attrapé depuis quelques années. Petit chat, il était rempli de sable, enfin les deux. Mila, c'est normal, elle s'est roulée dedans carrément, mais Owen, il en était rempli aussi, ça lui fait du bien ce petit bain. Ce petit bain dans un fond d'eau là. Bon, Alex est revenu, forcément il vient de se faire tatouer donc il a le bras en sang. C'est un peu compliqué parce qu'il a peur, déjà on doit aller manger là, parce qu'on n'a pas mangé. Et il a peur d'en mettre partout, pareil pour les draps du lit. Bon, on sait que ça part, pas le sang, mais voilà, il va s'enrouler dans des serviettes de bain. Le sang et de vaseline, ça part très bien puisque j'ai attaché nos draps. Et tout est parti. Ça part alors des draps d'hôtel avec on met ça dans des laveries spécialisées. Je n'ai aucun, comment dire, je n'ai aucune peur. Un peu stressant. Bon, bref, je vais faire un peu de sang comme d'hab. Ah, c'est dégoûtant. Bon, c'est juste un peu de sang de transpiration.
En gros, mon tatouage est bien avancé. Ah oui, il a bien avancé par contre, franchement. Jay, il a pas chômé. Ah, il a pas chômé, je m'en rends bien compte. Il m'a dit j'ai mangé un casse-dalle, du coup j'ai pas envie de faire la sieste l'après-midi, je suis bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai acheté des souvenirs. Je vous les montrerai quand on revient parce qu'Alex a trop faim. Et je voudrais pas qu'il me fasse une syncope ici. Après le petit déjeuner, je suis directement partie au tatoueur. J'ai mangé deux bananes. Pas une, mais deux. On est revenu manger au Saline Sandwich. Et on a pris des trucs parce que les plats du midi et les plats du soir sont tout pareil. C'est, ils font des plats un peu thaïsiens, hawaïens, des trucs un peu chelous. C'est trop bon. J'ai encore pris un truc au thon, je crois. Je me rappelle plus. Je sais plus ce que j'ai pris. Mais ça avait l'air très bon. Et Alex a pris un truc qui a l'air très bon aussi. Et puis il a pris le plat enfant avec du saumon cuit cette fois-ci. On va se régaler. Voilà. Alors Alex s'est cassé le bras sur la route. Moi j'ai plus de dessert, pas de bras, pas de chocolat. Non. La raison pour laquelle je fais ça, c'est pour ne pas incommoder les gens qui n'ont pas envie de manger en face d'un vieux beefsteak plein de sang. Donc j'ai caché le bras. Merci. Donc si vous voulez voir mon tatou, rendez-vous sur mon Instagram parce que je peux pas vous le montrer parce que là il est bondé jusqu'à demain matin, donc ce sera dans le vlog de demain ou sur mon Instagram. C'est un tataki de saumon, ça y est, je me rappelle. Trop trop bon. Regardez le riz coco comme il est trop joli. Donc, une autre petit chat là, son saumon. Nickel. Toi je ne sais plus ce que t'as pris mais ça va être trop bon. C'est ceviche thaïsien. C'est du thon avec du coco et tout. On vient de se remanger une glace pour la troisième fois, enfin la deuxième fois de la journée en tout cas, chez Mirmont, qui est alors assez connu ici comme pâtissier. Ah ouais, et glacier. Ouais. On en a mangé une ce matin? J'en ai mangé une ce matin il me semble, hein. Oui en sortant du truc, mais là on a voulu une et moi pareil il me moi, semble. Pas là. Bah si, t'étais là. Je ne me souviens plus. Tu ne te souviens pas? Alors il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que en fait, quand j'ai réservé l'hôtel, le Radisson Blu, où on est, j'ai pris les nuits qu'on avait besoin en fonction de si on venait en voiture. Sauf que finalement, on n'est pas venu en voiture, on est venu en avion, et qu'il n'y avait pas de retour le 24. Donc j'ai dit c'est pas grave, on prend l'avion quand même parce que j'avais plus le courage avec le petit de faire autant de routes en voiture. Et du coup l'avion par contre il n'y en avait pas tous les jours, donc le retour se fait le 25 plutôt que le 24. Sauf que je n'avais réservé l'hôtel que jusqu'au 24. Et je me suis dit mais ça va aller, on va arriver là-bas, je vais réserver une chambre en plus, tranquille. Sauf que non, il n'y a plus de place. Donc voilà, j'ai dû réserver dans un autre hôtel. On a pris un tout petit hôtel dans un endroit trop mimi. Je vous montrerai ça le dernier jour. C'est un, voilà, c'est pas du tout le même style d'hôtel. C'est un tout petit hôtel sur une place. Ça va quand même être très bien. Et puis on verra ça. Moi, ça nous changera un petit peu de place. Et c'est juste devant une plage qui est très jolie. Donc ça nous fait un peu bouger de coin. Bon, ça reste dans le centre de Biarritz. Hein. Le centre de Biarritz finalement n'est pas si grand que ça. Mais bon, on prend notre petite dose de coucher de soleil et de mer. Chez nous, et qu'on repasse ça tout le temps. C'est pas une mer, c'est un océan, s'il te plaît. Les gens ici, ils vont mal le prendre un jour. Ce n'est pas la mer. Bon, je vous reprends de notre chambre d'hôtel. Bon, du coup, on a des coquillages à vous. Tu me le montres? Tu me le donnes, le coquillage? Regarde. Regardez comment c'est beau. Là, je suis plus à la lumière du jour, mais regardez comment il est canon. Magnifique. Ça, c'est un burgo. Trop beau. C'est pour décorer à la maison. Enfin, pour décorer, c'est pour mettre à la maison, mais j'adore. À ton oreille. Tu veux que je mette à mon oreille? Ah oui, j'entends la mer, mon amour. Écoute, c'est un petit... Moi, j'ai déjà entendu. C'est un peu... Attends, mets-le. C'est un petit spécial pour ton oreille, celui-là, en plus. Ah ouais. Et j'ai pris deux étoiles de mer. Regardez comme elles sont belles. Du coup, je suis en pleine conversation avec Alex pour savoir si... pour vendre des étoiles de mer, il faut les avoir tuées ou si ça se pêche mort, etc. Ça se ramasse mort. D'après Alex, ça se ramasse sur la côte quand c'est mort. Quand c'est mort, ça devient blanc, ouais. Et quand c'est mort, ça devient blanc. Bon, écoutez, je l'espère fortement. Et c'est pareil pour les coquillages, normalement. Il faut pas aller déloger les coquillages, hein, je ne sais pas. Je suis en train de me poser la question tout d'un coup. Lequel, c'est pas du tout. Lequel c'est ton préféré, maman? J'aime beaucoup le coquillage nacré, il est magnifique. Ouais. En fait, moi, quand on était à Turquie, t'aimes bien l'étoile de mer, la grosse. En fait, ouais. Quand on était à Turquie et Kikos, les mecs creusaient sur la plage, ils prenaient une pelle, ils creusaient à 1 mètre de profondeur, ouais. Et ils ramassaient des coquilles de coquillages qui étaient au fond. Énorme, des gros coquillages. Bah, c'est un qu'on a ramené, ouais. On l'a à la maison. Comme on l'a à la maison, ouais.
Et ils vendent ça après sur la plage. Bon les amis, on va se reposer là. On est déjà tous au taquet pour se reposer. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de les liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et on vous retrouve dès demain pour un prochain vlog doucement. Oui, doucement.